Mercredi, adoption, j'adore ça aussi. Et ça marche plutôt bien, les adoptions, avec, avec Hélène Boucher, notre veto. Hein. C'est ça, Hélène? Oui, alors aujourd'hui, regarde, je vous présente Taz. Taz, c'est un berger, un croisé berger. Il a 5 ans et demi. Et alors, c'est un chien, regardez, déjà, il est magnifique. Regardez son poil noir, très luisant. Et ce qui est rigolo, c'est les petites mouchetures qu'il a sur sa tête. Vous voyez, il y a des petites, c'est tout lui, c'est tout des Taz. Petites, des petits points blancs qui sont incrustés un petit peu dans sa tête. Et pourtant, c'est pas qu'il est vieux du tout, c'est vraiment... Il est comme ça, il a des petites mouchetures qui rappellent finalement son beau poitrail blanc. C'est un beau chien, Taz. Alors, c'est un mâle castré. Il est sociable, il est gentil... il est très affectueux également. Bien mon grand, hop, voilà. Alors, il est plutôt exclusif, hein, c'est-à-dire que il aime pas forcément trop la compagnie des autres chiens ou des chats. C'est un chien qui serait plutôt heureux dans une maison avec un grand jardin, car il a plutôt besoin d'activité, hein, ce bon pépère. Mais voilà, c'est un super choix, il est un super chien, 1, 2, 3. Il est au refuge SPA du Rouennais, et j'espère que vous allez être nombreux à lui donner sa chance. Il a besoin d'un foyer, il est au refuge depuis 6 mois maintenant. Il a été abandonné, et regardez, il est vraiment super affectueux. Et j'espère que vous allez lui donner une chance. Alors, on donne des nouvelles de la semaine dernière, Laurent. Alors, léger, hein, oui, j'aimerais bien que tu donnes léger, des nouvelles, bon, léger. Léger, là, il y a eu un petit coup de mou, on va dire, de nos téléspectateurs. Oui, me dis pas que c'est pas vrai. Si. La semaine dernière, je vous avais présenté Ralph. Ralph, c'est un chien, un braque allemand, magnifique, hein, une très, très belle bête. Malheureusement, Ralph n'a pas encore été adopté. Il y a eu pas mal de coups de fil, mais pas d'adoption pour le moment. C'est un chien pareil, hein, énergique, qui a besoin d'une maison avec un jardin et de pas mal d'activités. Et puis, je vous avais aussi présenté Tyranny. Exactement, Laurent, tu t'en souviens. Tyranny, c'était une petite chienne, elle un peu plus vieille, hein, mais qui a besoin d'une jolie retraite avec, avec un foyer pour l'héberger. Alors, tous ces deux chiens sont encore à adopter. En revanche, je vous avais parlé de Fox, que je vous avais présenté. Alors, Fox, c'était à Cognac. Oui, oh là, je suis perdue. Eh bien, Fox, je vous avais dit qu'il avait été adopté par un couple venant de Saône-et-Loire. Eh bien, j'ai juste une petite photo à vous montrer de Fox avec ses nouveaux propriétaires, qui, ma foi, je pense qu'il va être très heureux avec ce jeune couple de retraités. Merci beaucoup, Hélène. Bravo, pensez à ce chien, regardez, Taz. On n'adopte pas Hélène, hein, c'est fait. Juste Taz.